Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La solidarité nationale vis-à-vis des crises. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. » Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédications à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, les sociétés en progrès sont cohérentes et coopératives, surtout dans les crises. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qualifia ces sociétés vertueuses par dire tout voit les croyants en affection entre clémence et sympathie comme un seul corps dont si un membre s'ouvre, tous les autres membres le consolent par la vue et la fièvre. Le croyant vis-à-vis de son frère, le croyant, est comme une constriction dont les parties se consolident. Le prophète se croisa les doigts. Le fiqh de crise exige éviter toutes les formes de fraude, monopole et exploitation. Notre religion interdit strictement tout civisme. Les premiers versets coraniques relevés à Médine sont relatifs à cette interdiction. Allah, gloire à lui, dit « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils achètent aux autres, exigent pleine mesure et tremblent lorsque même mesure ou pèse pour les autres. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront du bout du vent le Seigneur de l'univers. Il dit sur la langue de Shu'aib, ô mon peuple, mesurez et pèsez équitablement. Ne lésez pas les autres de leur bien et ne soumettez pas la corruption sur la terre. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque nous traite avec fraude n'est pas de nous. » La pure charia interdit toutes les formes de monopole et de l'exploitation, veut la manipulation de provisions des gens et le fait de s'en emparer pour réaliser des gains illicites ou des terments, des souffrances et des difficultés des gens. Allah, gloire à lui, dit, ô les croyants, que les uns d'entre vous n'y mangent pas les biens des autres illégalement, mais il y ait de négus légal entre vous par consentement mutuel et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Les biens, le sang et l'honneur d'un musulman sont interdits à tout autre musulman. » Et il dit aussi « Sauf le fautif exerce le monopole, celui-ci est dépourvu de générosité et de nationalisme, il donne prévalence à son égoïsme au détriment de toute considération religieuse, nationale et humaine, d'où elle mérite la colère d'Allah et la haine des gens. Si l'exploiteur sait que les biens qu'il gagne de son monopole et de son exploitation lui rétemporeront le malheur le dernier jour, cela lui sera une répression de cette injustice. Allah, gloire à lui, dit « Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection. » Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Celui qui apporte la marchandise aura la grâce d'Allah et celui qui en mouble
Sura nous dit: malheureux est le esclave du dinar et du dirham. Quant au commerçant national, nationaliste et véridique, elle ne trompe ni triche. Son nationalisme le pousse surtout, au moment des crises, à diminuer la mirage de son gain pour alléger la souffrance des gens. Cela fait partie de l'entre-clémence rétribuée. Sur la langue du prophète, Allah promit le commerçant véridique l'immense rétribution. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: le commerçant véridique sera avec le prophète, les véridiques et les martyrs. Il dit également: Allah agrée dans sa miséricorde un homme tolérant en vente, en achat et en échéance. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et les messagers, notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Les crises exigent l'altruisme et non pas l'égoïsme et l'exploitation. L'entre-clémence et non pas le cureté et l'individualisme. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: il ne croit pas en moi celui qui passe rassasié la nuit alors que son voisin est affamé à côté de lui et il est en et bien au Coran. Les crises exigent l'affection et la donation. Allah, gloire à lui, dit: et qui préfère à eux-mêmes, même s'il bénirait chez eux quiconque s'est prémuni contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: les Ash'arites, lorsqu'ils souffrent de la pénurie en expédition ou leur provision, se démunit dans la cité et regroupe tout ce qu'ils ont dans un drap, puis le divise équitablement. Ils sont de moi et je suis doux. Certes, cette solidarité a un grand rôle dans le renforcement des liens sociaux et humains et le développement de l'affection et de la mort entre le membre de la société, ce qu'il exhorte la pure charia. Allah, gloire à lui, dit: entraidez-vous pour la bonté et la piété, et n'entraidez-vous pas pour le péché et l'agression. Cette solidarité et cette coopération se manifestent dans les dépenses dans le sentier d'Allah, dans toutes les voies du bien, surtout lorsqu'il s'agit de la subvention des besoins du pauvre. Qualifions les vertus, Allah, gloire à lui, dit, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin ou aux prisonniers, disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc de mal et de ce jour-là. Et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuira pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et le vêtement de soie. Qualifions les gens de droit, Allah dit, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: offrez la nourriture, observez le lien du parenté et faites de salat nocturne alors que les gens s'endorment, vous entrerez paisiblement le paradis.
Et le meilleur parmi vous sont ceux qui offrent la nourriture. Ô Allah, préservez notre pays l'Égypte et tous les pays du monde.